Alors, comment faire cette serviette? Alors, je prends donc une serviette en papier qui fait 38 cm de côté. Ici, vous avez 4 feuillets. Donc, ne pas se tromper, il faut bien les poser soit comme ça, tout dépend comment vous allez la plier. Enfin, moi, je vais. Les 4 feuillets, je vais les mettre vers moi. Et on va commencer par plier le bas. On fait un petit pli comme ça. On vient rabattre ce de l'autre côté, comme ceci. On fait pareil. Ici, une fois que mes trois côtés sont rabattus, je maintiens ces deux-là et je vais venir replier comme ça sur à peu près la moitié, comme ceci. Et je vais prendre deux feuillets de ma serviette que je vais venir rabattre ici. Alors, si je laisse comme ça, bien sûr, ça va se défaire. Donc, soit je prends une petite décoration que je vais coller ici. Qui va permettre de maintenir le papier, enfin logiquement. Logiquement, ça doit le maintenir. Donc, c'est simple, c'est rapide. Voilà, ma serviette tient comme ceci. On peut venir mettre le pain dans la serviette. Là, c'est un citron parce que j'ai pas de pain. Donc, on vient le mettre dans la serviette comme ceci. C'est ce qui va maintenir aussi la serviette. Alors là, j'ai fait avec une serviette qui mesure 38 cm. Mais je pense que pour un bon maintien de la serviette, il faut le faire avec une serviette un peu plus grande, c'est-à-dire celle-ci, elle fait 41 cm, mais on peut aussi faire ça avec une serviette en papier, ce qui donnera un meilleur maintien. Et on peut aussi mettre le petit pain à l'intérieur. Ce qu'on peut faire aussi, c'est on peut mettre le prénom, donc on prend une petite épingle à linge, on marque le prénom dessus et on l'accroche ici.